Attention, destination fréquence pour le QSO national du canal 27 avec le forum Le Zone du Routier. Les bonnes soirées 1351 à vous tous de la part de Dindy 33. Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 avec le forum Les Ondes du Routier. Les bonnes sont 1351 à vous tous de la part de Nadi 33. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Bonsoir Nadi, les bonnes amitiés de JP. Les bonnes sont 13 JP. Alors, comme d'habitude, cette première demi-heure, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, et filmé, puis après la suite, eh bien, sera hors vidéo, bien entendu. Alors, comment vas-tu, JP? Ouais, attends, parce que je suis en train de regarder un feuilleton, et je reprendrai un peu plus tard, Dindy. Voilà, donc, j'ai entendu personne, hein. J'ai entendu franchement personne, c'est toi le premier, là. Et je suis à l'écoute depuis, je sais pas quelle heure, hein, et puis, il y a personne qui est arrivé. Voilà, donc, je reste un peu à l'écoute, là, et puis, le temps que je finisse mon feuilleton, là. Ok, pas de problème. Mais moi, c'est pareil, en même temps, je regarde un petit peu la télé, là, du coin de l'œil. Ok, mais moi, c'est pareil, là, j'étais un petit peu à l'écoute avant l'heure, de ça, j'ai entendu personne. Maintenant, on est samedi soir aussi, hein. Le samedi soir, les gens regardent, eh bien, comme toi, leur feuilleton habituel, d'autres sont en famille. Donc là, je m'y attendais un petit peu, quoi. Ça peut pas être tout bon à tous les coups. Ok, JP, à plus tard, si tu es encore dans le coin, et puis moi avec. Ok, y a pas de problème, si je suis là, je suis à l'écoute, hein, j'en écoute, mais je n'en parlerai peut-être pas tout de suite. Y a pas de problème, JP, merci quand même d'avoir répondu. Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence? Affirmatif Fabrice, les 913-51 à toi. Justement, j'ai lancé quelques appels. Bon, il y a JP qui vient de dire un petit bonjour, là, il est en train de regarder son feuilleton. Et puis il reviendra peut-être certainement tout à l'heure. Alors, comment vas-tu? Ok, ok, mais par hasard, hein, j'appelle, parce que j'ai obligé de au téléphone, hein, donc je sais pas quelle heure il est. Ah ouais, 9h05, hein, ça va encore. Ça va. Ouais, mais depuis la dernière fois, mais ça va. Voilà. Mais j'y suis venu faire un petit tour hier soir et tout, là, mais il n'y avait personne. Hein. Et puis voilà, quoi, comme d'hab. Ouais, ben oui, ben, puis en plus, moi hier soir, j'étais au pro. Hein. Mais voilà, j'ai débauché ce matin à 6h. Donc, ça m'a pas été possible d'être en fréquence, quoi. Ouais, mais je me suis douté un peu, hein, quand je t'ai pas entendu tout, j'ai dit, oh, ça se trouve, ils ont bossé, moi j'ai appelé un peu, j'ai attendu dessus en cas qu'il y en avait d'autres qui arrivaient, oh, bah, il y avait personne, donc j'ai attendu, ouais, jusqu'à 9h20 par là, et puis après, bon, je suis parti de l'autre côté, là, en USB, et puis après, je suis pas resté longtemps non plus, parce que j'avais le pro, donc... J'avais le pro ce matin, donc du coup, je suis pas resté trop longtemps, puis j'étais calme en plus. Hier soir, il n'y avait pas fou, là. Ouais, ben oui, ouais, c'est ce que j'ai eu Chameau au téléphone, hein, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Hein. Attends, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ben non, puisqu'il vient de péter son antenne. N'importe quoi. J'ai regardé un peu sur Internet et j'ai vu que ça a été calme aussi, quoi. Ouais, bon,
c'est vrai que là, il y a une période, avec la pluie, en plus, c'est calme aussi, il n'y a pas de propagation, rien. Donc, il n'y a que du petit local, on va dire. Voilà, c'est du petit local. Hein. Ouais, c'est vrai que... ouais. Bon, en espérant que ça s'améliore par la suite, là, parce que là, bon, on arrive quand même début octobre. Ouais, bon, la propagation devrait arriver. Ça devrait le faire. Ouais, bah ouais. Ouais, mais oui. Ah, de toute façon, ça va bien. Ça va bien arriver quand c'est vrai, la propagation, ça ira tout seul. Bon, sinon, par ça, ça bidouille un peu. Ça bidouille beaucoup, même sur Internet. Je sais pas si tu es allé soit sur le forum ou alors sur le groupe, enfin sur Facebook, sur Facebook, mais j'ai lancé un truc là aujourd'hui sur Internet. Ah non, j'ai pas été, alors attends, en plus il a allumé là, j'ai pas été parce que j'étais en train de faire des trucs moi en même temps, tout à l'heure, donc j'ai pas été là, je vais aller voir, attends, je vais allumer le Facebook, hein, voilà, je vais aller voir. Ok. T'as pas l'écho d'un tranché là du poste? Ah ouais, c'est. Il est vraiment. Vraiment mini, hein. Ah, tu vois, j'ai remarqué, t'as vu un peu l'œil. J'ai l'œil, moi, hein. Ouais, dans ce cas, je dirais plutôt l'oreille, hachis. Ouais, je sais pas que je suis pas du tout pour ça. Mais je trouve que ça met un petit peu plus de volume dans la voix, mais il faut vraiment que ça soit au ras des pâquerettes, quoi. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Ok, alors, vidéo, c'est ça, c'est une vidéo. Alors, il y a une vidéo avec un article. Voilà, voilà, avec marqué lancement. Ah, j'ai pas regardé les chiffres. Pourtant, ça fait pas longtemps. Hein. Et il y a déjà des inscrits dessus. Peut-être, je sais pas. C'est vrai que moi de mon côté, j'avais monté le volume au niveau du PC, donc je me suis pas rendu compte. Ouais, mais c'est ce que je vois là. Je vois qu'il y a un peu de son, je suis à fond des deux côtés et ça crache pas tant que ça. Attends, faut que je regarde à l'ordinateur, voir. Ouais, d'accord. Par contre, le fond sonore qu'il y a derrière, bon, ça par contre, lui, c'est exprès qu'il soit faible. De façon à ce que nous, moi et mon YL, on nous entende bien suffisamment par-dessus, quoi. Sauf que là, bon, c'est une présentation qui est différente.
Voilà, c'est retravailler différemment, quoi. Ok, ouais. Après, bon, faut que j'y aille dessus, là. Je me suis joué avec la vidéo, là. Je suis avec la vidéo, mais je vais aller voir dessus. Ok. C'est sûr que ça se fait pas en 5 minutes, hein. Ah non, puisque j'ai commencé le 6 août et je l'ouvre seulement aujourd'hui. Ah oui, ça se fait pas comme ça. Puis il y a eu, pour l'instant, t'as pas eu des inscrits là, si, t'as eu des inscrits dessus déjà? Ah ben, aussitôt mis en ligne, je veux dire, la vidéo aussitôt mise en ligne, parce que j'avais verrouillé les inscriptions jusqu'à aujourd'hui. Dans les 5 minutes qu'on suivit la mise en ligne de la vidéo, oui, ça commençait à tomber. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a commencé le 26 septembre, c'est ça, ça a commencé à faire le site le 26 septembre. La date d'où la date de création est le 6 août. Voilà, c'est ça, le 6 août. Et donc j'y ai mis tout le travail de recherche que j'avais fait jusqu'à maintenant, plus tous les articles et tout que j'ai pu publier, là que j'ai regroupé là dessus. Comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de choses. Et dans l'un des encadrements, tu vois marqué. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? C'est moi qui l'ai fait, je ne sais plus ce qu'il y a de marqué. Tout n'est pas visible pour le simple visiteur. Dans cette partie-là, je crois qu'il y a quelque chose comme 19 rubriques ou un truc comme ça, quoi. Dont des fiches techniques, il y a pas mal de trucs dedans, quoi. Bah oui, tant qu'à faire, c'est sûr que. Quelque chose, ça le faire comme il faut. Oui, c'est pas évident. C'est vrai que là, c'est raide. Hein. Voilà, j'ai voulu faire une autre présentation, un autre type de classement, pour que ce soit plus facile à trouver. Quoi. Voilà. Ouais, mais après, c'est facile, hein, le fait... voilà, ça a été fait par un site, ouais, c'est... Après, il faut juste... savoir le faire, avoir des explications, et puis après, mettre les données, récupérer les images... ouais, c'est du boulot, hein, site, moi, je vois... quand je suis un peu sur mon site, là, pour ma web radio, c'est pareil, hein, j'y passe des fois quelques heures dessus pour modifier des trucs, pour mettre à jour, et ça prend, on dirait pas, mais c'est des petits trucs, mais ça prend du temps, quoi. Si, ça prend du temps, c'est sûr, oui, mais bon, d'un autre côté, ça va me permettre de pouvoir lâcher quand même pas mal les trois blogs que j'ai, puisqu'après, dessus, dans le truc d'en-tête... Je vais avertir les gens comme quoi maintenant toute l'activité se fera là. Parce que je vois là sur les blogs, je me suis rendu compte que j'y passais quand j'ai publié un truc dessus, j'y passais facilement trois fois plus de temps que sur un forum. Je me suis dit là c'est bon, là faut arrêter les frais, je passe beaucoup trop de temps dessus. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée là, quoi. Et par contre, les lettres, hein, faut en mettre en majuscule ou faut, même si c'est pas en majuscule, c'est pas grave, ça prend quand même. Attends, j'ai pas compris. Ouais, pour l'inscription, là, il demande à la fin des lettres et des chiffres à rentrer, et il y en a en majuscule et en minuscule. Et même si c'est normal, ça prend quand même. Oh ben oui, parce que tu vois, moi ce que je me suis amusé à faire dessus, c'est que en réalité j'ai deux comptes. Hein. Donc j'ai mon compte en tant qu'administrateur, plus un deuxième compte en tant que simple inscrit.
Ce qui fait comme ça quand, quand je publie un truc, hein, que je suis pas sûr des résultats et tout ça, comme dans la création de différentes rubriques et ainsi de suite, hein, je savais pas ce que ça donnait côté, côté simple inscrit. Du coup, je me suis créé deux comptes, et c'est vrai qu'en faisant le compte en tant que simple inscrit, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tapé comme ça direct. Hein. De toute façon, si ça veut pas prendre, ça te le dira de suite. Hein. Oui, ben là, apparemment, c'est bon. Ça me l'a pris, alors je vais aller voir la messagerie. Normalement, c'est bon. Ok, oui, votre compte est créé. Voilà. Ok. Et en plus, tu peux voir le nombre de gens qui s'est inscrit dessus, alors. C'est ça qui est bien. Oui, eh bien, sur le forum de Pascal, c'est pareil, hein, sur les ondes du routier. Même emplacement, tout en bas. Voilà, là, tu as le nombre... Eh ben, attends, je vais m'amuser à un truc. Moi, là, pour le moment, sur mon forum, je reste volontairement hors connexion. Hop là. Hop là, j'ai un petit problème. Attends deux secondes. Ah, ah. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? On change vite. De matériel, je sais pas ce qui s'est passé. Ok, j'ai eu un petit couac là sur l'autre station, donc je reviens avec le DK. Ouais, c'est ce que j'ai une coupure là, c'est pas le micro qui déconne. Non, j'ai plus d'alimentation sur la station pour expédition. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Il faudra que je contrôle tout ça demain. Ah, ok, ok. Voilà, je vois 625 messages. Voilà, c'est ça, l'inscription, c'est ça le volume de personnes qui ont regardé le message. 625 messages, non, ça c'est... attends. Je regarde vite fait, ça normalement c'est ce que moi j'ai déjà publié quoi. Attends, voilà, attends que j'y vais, là, de suite dessus. 625 tu me dis. 625, ouais, il y en a bien, il y en a bien 620, 615 qui sont à moi quoi. Alors en ce moment, oui, putain, j'ai halluciné quoi. Ouais, il y a déjà du monde. Bah, c'est bien, voilà, c'est bien, c'est ce qu'il faut, comme ça les gens ils regardent. Et si ça les intéresse, mais ça veut dire qu'ils se sont inscrits déjà. S'ils regardent, c'est qu'ils se sont inscrits. Ouais, mais bon, tu sais, hein, y a l'effet de quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme tu ouvres un magasin, ça va être tout nouveau dans le quartier, tout le monde va venir, et puis après, par la suite, ça se calme. Bon, là, on verra bien. Si après, ça reste comme ça, que ça va en progressant, bon, ben, tant mieux, quoi. C'est que, bon, ben, ça intéresse encore plus qu'on peut le penser, quoi. Ouais, voilà, oui. En tout cas, là, j'ai pas compris là ce qui s'est passé au niveau de... Je saute du coq à l'âne. Voilà, au niveau de l'autre station. Eh oui, j'ai plus rien dessus. C'est curieux, ça. Il faudra que je regarde pour commencer les connexions et tout. Il est complètement éteint. J'ai pas compris, hein. Bon, je sais pas, je verrai bien. Je regarderai de toute façon, là, sur la vidéo... Puisque là, cette première demi-heure, elle est filmée. T'as ça la fout mal quand ça déconne. Ouais. Être en plein QSO du canal 27, filmer la première demi-heure, et puis que ça se barre en cacahuète comme ça. Quoi. Heureusement que j'ai l'autre station à côté. Quoi. Ah si. Ouais,
Bonsoir tout le monde. Mais oui, oui, tout à fait, oui, heureusement que il y a de quoi s'occuper derrière. Oui, bonsoir. Oui, 73 à tous, 14 Victor et Corel 7, 14 OR 0L 7, vous salut à tous, ce soir arrivé à tout le monde. Et 73 Eric. Un petit peu à la bourre ce soir, désolé. Ah mais c'est pas un problème du tout. Alors, disons que t'as loupé le meilleur. Je sais pas si c'est au niveau du TX ou quoi que ce soit, mais on dirait que j'ai l'alimentation là de 6009 qu'a lâché. Donc je regarderai demain d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est le poste lui-même? Est-ce que c'est après au niveau du câblage fusible ou je sais pas trop quoi? Je regarderai ça demain. Il fera jour. Oui, comme tu dis, aïe aïe aïe. Moi, j'ai pas qui est avec toi, la prestation, j'ai pas la liste. Hein. Eh bien, c'est Fabrice. Ok, Fabrice, 73, l'amitié. Oh, Kiki, 73, il n'y a pas de problème, ouais, tu dois pas m'entendre, hein, parce que pour pas que tu m'aies reconnu, c'est que tu dois pas m'entendre. Hein. Si, j'entends très bien, mais. J'ai dit, j'arrive juste, j'allumais, j'ai entendu, j'ai eu un petit trou, je dis, je vais me signaler, voilà. J'ai pas prêté plus l'oreille. Ok, ok. Ouais, bon, mais pareil pour moi, t'as vu, ça tombe bien, y'a pas trop de QRM ce soir, c'est impeccable pour une fois. Ah, j'ai raté. Là, quelques temps, on va faire un petit peu mieux, là, parce que j'ai un dipôle qui va pas tarder à arriver horizontal, donc ça va. Enfin, il est arrivé, c'est joli déjà, mais. Je me rends que le vent, et après, ça devrait faire un peu mieux. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, là, hein. Moi, par rapport à avant, je ressens beaucoup mieux, hein. C'est vrai que ce soir, ça passe un petit peu. Ça passe bien, voilà. Allez, retour, ami. Ouais, ben toi, de mon côté, c'est du 57, hein, quand même, hein. Ouais, ça passe bien, hein. Alors, as-tu allé faire un petit tour sur internet, voir ce que j'ai mis en route? Tu sais, comme je t'en ai parlé là, le dernier coup, là, chez toi. Ah, oui, j'ai pas été voir. Tu as bien allé sur le forum ou quoi? Oui, sur le forum, c'est mis, et aussi sur Facebook. Ah, ok, là, désolé, j'ai pas eu trop le temps d'aller voir, enfin, j'étais un petit peu sur Bouquet. Attends, ouais, en même temps, je suis en train d'assurer le suivi, là, sur le chat. Je réponds deux secondes. Eric, hein, Fabrice, allez-y discuter, là, tous les deux, vite fait que je réponde, là, sur le groupe, sur le Facebook. Ah, zut, le forum, j'y arrive. Allô, allô. Le Facebook, la totale. Ouais, Achim, j'ai entendu quelqu'un. Oui, JP, en avant. C'est pas JP. Salut Fabrice. Salut tout le monde. Donc je me présente, c'est le QRPP à JP, donc depuis son QRH, donc le mien. Hein. Donc je vous ai dit ton galère, j'ai entendu parler, donc voilà. Je me permets de m'initier. Bonsoir, c'est vrai que ça a été trop bref pour que je reconnaisse bien, mais c'est la station que j'ai un peu reconnue, les bonnes 73 de la part de Dandy 33, 14 ODR 002, en compagnie de Fabrice, ainsi que de Eric qui est sur Bordeaux Sud. Fabrice, je connais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais bonsoir Eric, donc voilà, retour à toi Fabrice. Ok monsieur Eric, il n'y a pas de problème. 73 à toi, le bonsoir. Ça y est, t'as débouché. Affirmatif, ouais, ça fait du bien vu le temps qu'il y a eu. Bon, quand j'ai vu qu'il y avait qui va nager ce matin à 7h sous la flotte, j'ai dit, c'est complètement malade. Ouais, mais bon, okay, c'est comme ça. Quand t'es le client est roi, tu sais ce qu'on dit. Ouais. Moi, j'en ai pas de QM, j'en ai pas. Donc, voilà. Bon, on va faire un tour sur Bordeaux là-bas, voir s'il t'entend. Ok, y'a pas de soucis. 73, le 14 Victor Hugo, le 7. Eric, sud de Bordeaux, village d'Orléans. J'ai pas eu le prénom d'opérateur, bonsoir, retour en haut.
Oui, 73 à toi, donc bah, c'est l'opérateur Alex du côté de Sainte-Foy-la-Grande, pas très loin de Sainte-Foy-la-Grande. Je suis pas très loin de chez Fabrice en fait. Ok Alex, 100%, ça passe très très bien à mon côté, voilà. Ça va Fabrice, c'est nickel. Ce soir, ça va, il y a la propague, ça passe bien. Au retour. Pour moi de mon côté aussi, c'est à 57, donc c'est parfait. C'est parfait. Ok, allez, à toi, Fabrice. Ouais, mais c'est ce qu'il faut, de toute façon. Il faut que ce soit parfait un peu, qu'il n'y ait pas trop de merde, comme ça au moins il y a possibilité de moduler dans des bonnes conditions. Voilà, pour que ça passe bien. Et comme ça, ça permettra d'avoir des contacts comme il faut. Mais bon, comme déjà, il n'y a pas grand monde en plus. Et puis c'est vrai que la propagation en ce moment, elle ne court pas les rues. Hein. C'est vrai, on n'entend pas encore les petits cousins, ça serait tardé, j'espère. Ouais, les petits cousins, oh, ça va pas tarder, ils caillent là-bas. J'étais sur Météo Ciel, là, voir leur pays là-bas, leur région là-bas. Du merde, attends, je me trompe de page, mais bien sûr, je m'en doutais que ça allait se barrer. Et ça caille et ça neige un peu là-bas, dans leur pays là. Donc, ça va bien venir, hein. Ça va arriver un petit peu quand même. C'est vrai. Mais ça devrait tarder, pas tarder, j'espère, parce que cette année, c'est débloqué. Ouais, parce que là, je vois, là, tu vois, Canada, la partie une bonne petite partie du Canada, ils sont dans la neige, là, je vois, neige, moins 5 degrés, moins 4, moins 6. Amérique du Nord, alors là, c'est du moins 11, eux, ils ont neige, ils se pèlent le jour, là-bas. Ah, ça fait froid, hein? Ouais. Donc là-bas, en Amérique du Nord, ils se pèlent les cacahuètes. Voilà, ils vont pouvoir faire les convois de l'extrême bientôt. J'espère que je ne suis d'une personne. Non, ok, c'est bon. Mais ce matin, j'ai un petit peu fait le convoi de l'extrême. Je sais pas si tu as vu le temps pourri qu'il y avait ce matin vers les 6-7 heures, la température qui y allait. Eh bien, depuis Bordeaux, je suis quand même rentré en moto. Il fallait une bonne dose de motivation, là. Ouais, c'est temps, ça mouillait gavé, c'est temps. J'ai l'air bouché, moi. Ouais, ben je te rassure, dans les heures qui étaient avant aussi, c'était pareil. Hein. Et il a bien fallu que je prenne la route avec la moto pour rentrer au QRA. Ouais, mais comme ça, la prochaine fois, tu diras, ben, je prendrai la bagnole. Tu m'étonnes, surtout que j'ai la batterie qui est en train de me lâcher en ce moment. Quoi. Hier matin, ce matin, ça a été un petit peu difficile pour pouvoir repartir du pro. Quoi. Je crois que là, je rectifie le tir. Soit je change rapidement, soit je prends la voiture. Non, c'est histoire de changer un peu de la voiture. Ça, à force, ça devient monotone à force de toujours prendre la même chose. Ah ouais. Mais moi, je préfère la voiture. Je suis pas trop moto, alors donc je préfère garder la voiture. Allez, alors, nous, on va continuer à l'OQSO. Les belles autres, c'est côté à tous. Ça, voilà, c'est la fin de la vidéo.